إياكم والحسد، 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 إياكم والحسد. C'est une maladie qui commence par l'envie, se poursuit sans venime, peut finir par le crime. Certains minimisent, ne connaissent pas l'emprise exercé par ce trouble qui stresse et qui rend fourbe. Tristes sont les hommes qui s'éveillent et s'endorment, désirant tous les biens que possèdent leurs voisins. Ils ne dorment pas bien, ils ne mangent pas bien. Conséquence de leur angoisse, ce mal les tracasse. Iyakum walhasad, Iyakum walhasad, Iyakum walhasad, Iyakum walhasad, إياكم والحسد، إياكم والحسد، إياكم والحسد، إياكم والحسد. Leur physique se détruit, leurs actions aussi. Le musulman n'est pas épargné, son intérieur est rongé. Il y a le feu soudain qui prend et qui dévaste tout. Puis il y a le mesquin qui ne détruit pas d'un coup. Cessons de refuser le destin, la décision de notre souverain. Pourquoi jalouser ce que par sa grâce il a donné? C'est une particularité de Satan le lapidé. Nous ne voulons pas finir comme lui, ne cultivons plus cette envie. Iyakum walhasad, Iyakum walhasad, إياكم والحسد، إياكم والحسد، إياكم والحسد، إياكم والحسد، إياكم والحسد، إياكم والحسد. Regardons l'histoire de Kabil, désirant tuer son frère Habil pour une histoire de femme, quelque chose de banal. Il l'a assassiné, perdant il s'est retrouvé, rongé par le remords. Cet homme pieux est bien mort. Si nous ne tirons pas de leçons, c'est l'enfer, attention. Protégez-vous, dit Rasulullah. Iyakum walhasada. La jalousie dévore les actions, comme le feu consume le bois. Alors faisons attention, cultivons l'amour d'Allah. Iyakum walhasad, Iyakum walhasad, Iyakum walhasad, Iyakum walhasad, Iyakum walhasad, Iyakum walhasad, Iyakum walhasad.
الحسد إياكم والحسد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ Envie-t-il aux gens ce qu'Allah leur a donné de par sa grâce? Iyyakum wal hasad. Ne soyez pas jaloux.